Bonjour. Aujourd'hui, nous allons partir en Bosnie-Herzégovine. Alors, que se passe-t-il maintenant en Bosnie-Herzégovine? Y a-t-il de nouveaux scandales? Le Premier ministre de la Fédération de Bosnie a été inculpé pour abus de fonction et détournement d'argent. C'était dans une affaire de respirateurs chinois, dans le cadre, bien entendu, du Covid, des respirateurs chinois défectueux importés par une coopérative agricole produisant des framboises. Bon. Mais alors, est-ce que tout cela est nouveau en Bosnie-Herzégovine? Moi, quand j'étais allé voir des combattants que j'avais vu 20 ans plus tôt, tous m'avaient dit la même chose. Ce pays est complètement pourri. Les élites sont complètement pourries. Et cela, qu'ils soient serbes ou bosniaques ou croates, ils m'ont tous dit la même chose. Mustafa, que j'avais connu en 1992 dans une grande tour de Sarajevo, il défendait donc Sarajevo contre les Serbes, Mustafa me tient le langage suivant. Ici, c'est la première ligne. Oui, oui, vous êtes en première ligne. L'ennemi est à peine 100 mètres. Pourquoi nous nous sommes battus les uns contre les autres? Personne maintenant, personne ne peut dire pourquoi. Personne. On s'est battu pour la liberté, mais que se passe-t-il maintenant? Que se passe-t-il? Les mauvaises personnes sont en bonne place. Les mauvaises personnes sont en place. Les voleurs font de l'argent. Et les bonnes personnes, Goran par exemple, mon ami, eh ben il n'est pas là. Ce n'est pas supportable, putain. Putain de politique. Mais que pouvons-nous faire? Tout le monde... Tout le monde perd dans cette histoire. Tout le monde perd, sauf, évidemment, les politiques, les criminels. Together like before. Everybody lose. Nobody wins, except criminals. Nobody. Bienvenue à Sarajevo, Philippe. Retour en ville. La dirigeante d'une association caritative m'explique. Nema dođe. 1300 svaki dan na jedan obrok. Hier, par exemple, nous allions porter de la nourriture dans deux appartements qui étaient l'un à côté de l'autre. Ils étaient occupés par deux femmes, une musulmane et une serbe, qui vivaient toutes seules. Je leur ai dit, allez, buvez un café ensemble. Quand je vous amène de la nourriture, vous pouvez parfois cuisiner ensemble. Et maintenant, il y a une grande amitié entre elles. Alors qu'elles ne pouvaient vraiment pas se parler. Si c'était pareil avec les politiciens, si seulement ils voulaient bien s'asseoir et se parler normalement, on pourrait peut-être avancer. Eh bien, regardez la brasserie de Sarajevo. Ils doivent 14 millions aux impôts. Et c'est pas un problème. Qui autorise ça? Moi, je dois 50 euros. Mes employés n'auraient pas de sécurité médicale. Et ce sont des magouilles. En plus, tout le monde est au courant. Tout le monde. Excellent.
Un peu plus loin, au pied du Parlement, une manifestation d'anciens combattants. Des anciens combattants, toutes ethnies confondues, manifestation contre le pouvoir politique. Qui vous est donné par les politiciens. Non, oui, on dort sur le béton, dans le froid depuis 22 jours. Nous, on est des vétérans. On a fait toute la guerre depuis le début. On a versé notre sang pour cet État. On a versé notre sang pour cet État. Les politiques en ont profité pour s'enrichir pendant et après la guerre. Ils en profitent, même encore aujourd'hui, 20 ans après. Ils conduisent des voitures les plus chères d'Europe, alors que leur peuple n'a pas de quoi manger. On est tous là réunis, Serbes, Croates, pour se battre contre l'injustice. Nous voulons notre Dieu. I Bošnjaci, i Srbi, i Hrvati, znači svi su danas tu. Dok narod nema šta da jede. Vous avez des gens ici, moi aussi, qui ont emprunté de l'argent pour venir manifester. Et nos familles n'ont pas de quoi manger à la maison. Možda nemaju neki ni da jede im porodica da prežive. Sve gledam onaj okular. A eto, vidit ćeš. Sutra je nema. Malo francusko. Tako je, da. To je vama poznato, vi ste upućeni. Il ne s'agit pas de notre retraite. Le système de l'État n'est pas bon, ni pour un retraité, ni pour un ouvrier, ni pour un ancien combattant. Pour personne, c'est bon. La corruption règne, le crime aussi. C'est la corruption qui règne ici. Et le crime. Oui, le crime. Je n'ai jamais entendu parler qu'une personne normale se soit enrichie grâce à la guerre. Ce serait plutôt le contraire. Il n'y a que les chiens de guerre et les politiciens qui en ont profité, ne sachant pas résoudre les problèmes que nous avions autour d'une table, mais par-dessous la table. Tous les postes intéressants de l'État sont entre les mains de nos dirigeants et de leurs familles. Maintenant, comment savoir ce qui va se passer demain? Nous nous sommes battus avec notre cœur et notre bon sens, ayant peu d'armes. Mais voilà, nous avons sauvé Sarajevo. Et maintenant, il suffit de voir ces hommes allongés sur le sol devant le Parlement. Des hommes qui se sont tirés les uns sur les autres, qui aujourd'hui se sont réunis sous le drapeau bosniaque et exigent de concert la reconnaissance de leurs droits. La plupart d'entre eux viennent de comprendre qu'ils ont été dupés par leurs leaders politiques, par les nationalistes. S'ils avaient su ce qu'ils savent aujourd'hui, jamais, je dis bien jamais, ils ne se seraient tirés dessus. Jamais, ils auraient fait la guerre. Voilà, ceci est un simple constat. J'espère que celui-ci vous a plu. À bientôt sur ma chaîne. Au revoir.